suis laissé aller. J'ai appelé ma mère et j'ai dit que je l'aimais. J'ai parlé à mes frères aussi. J'ai souffert des adieux. Là, il dit que si j'avais la permission, je les appellerais avant d'y aller. Comment, qu'est-ce qu'il y a? Elle tout le temps que c'était la faute à Vitello, que c'était lui qui m'avait entraîné, que j'aurais pas dû le suivre. Je voulais pas qu'elle pense ça. Mais c'est vous qui m'avez dit que j'avais juste à m'en aller. Je l'ai pas fait. J'ai juste été un... J'ai juste été lâche. Vitello, il était pas mal plus vieux que moi, puis pas mal plus tough aussi. Moi, j'arrêtais pas de me défoncer, puis de faire des conneries pour essayer d'être aussi tough que lui, mais... J'étais pas capable. J'avais pas le courage de m'opposer à lui. Ça fait que... J'ai dit à ma mère que j'étais un pissou. Elle me répétait, c'est pas toi, Matt, c'est pas toi, Mathieu. C'est pas toi. Votre maman vous aime? C'est moi qui l'ai tué. Jean? Non, madame. L'avez-vous violé? Oui, madame. Acceptez-vous la responsabilité de la mort de l'un et l'autre? Oui, madame. Quand ils ont éteint les lumières hier soir, je me suis agenouillé. J'ai prié pour les deux. J'avais jamais fait ça avant. Il y a des profondeurs de chagrin que seul Dieu peut toucher. Ce que vous avez fait, c'est horrible. Mais vous avez retrouvé votre dignité. Personne ne vous l'enlève. Vous êtes enfant de Dieu, Mathieu Bouchard. Personne ne m'a jamais traité. Appelé un enfant de Dieu avant. Oh, on m'a souvent traité d'enfant. Vous savez quoi, mais jamais d'un enfant de Dieu. J'espère vraiment que ma mort va soulager un petit peu les parents. Je l'espère pour vrai. Peut-être que la meilleure chose que vous pouvez faire pour les martyrs et les de la croix, c'est de leur souhaiter la paix. Vous savez, j'ai... jamais su c'était quoi le vrai amour. J'ai jamais aimé une femme. Personne d'autre, en fait.
Je suppose qu'il fallait que je meure pour savoir c'était quoi l'amour.